fait, moi j'ai étudié un mode. Hein, j'ai toujours dessiné par contre. J'ai plongé dans l'univers des dessins avec les pirates à cause de David. Lui, il a su comment partager sa passion. C'est pas facile au début, mais comme on a une équipe qui est vraiment, vraiment motivée et que chacun ramène des nouvelles idées, donc moi, le travail était beaucoup plus facile. Et là, on a fait quand même une panoplie de dessins. On a sorti pas mal de textes. L'histoire est ficelée. Donc franchement, moi, ça m'aide beaucoup plus pour pouvoir ramener du concret sur papier. Et j'essaie de rendre ça très, très, très réaliste. Et transmettre tout le côté animal des personnages au lecteur. Pour m'aider et nous aider toute l'équipe à s'inspirer, moi j'adore ce livre, c'est un livre qui appartient à Dave, c'est The Complete Costume History. J'essaie d'être le plus fidèle aux costumes de l'époque, on est en 1750. J'ai fait pas mal de dessins jusqu'à présent, donc il y a peut-être plus de 200 dessins. On les a mis ici pour s'inspirer. On a pas mal de personnages, on a plusieurs monstres, on a la mort justement, la petite fille qui se transforme et qui peut avoir n'importe quelle apparence. Encore une fois, Barbe Or, on a aussi des soldats du temps de Napoléon. Je donne pas trop de détails, le reste va être dans l'histoire. On s'est fait une petite carte juste pour se repérer un peu dans l'espace. Donc j'ai pas encore réussi à la déchiffrer, mais je sais qu'elle m'aide beaucoup. Comme vous voyez, on a beaucoup de dessins, donc on aimerait en fait avancer la coloration. Ça demande du travail, ça demande justement de la collaboration pour pouvoir avancer le projet et le mettre à terme. Donc on aura besoin de votre support pour pouvoir améliorer encore tout ça. Donc je sais que vous avez envie de voir tout ça en couleur.